Voilà, j'en ai terminé de tamiser finement le compost. Il m'en reste encore à faire, mais là j'ai la quantité suffisante pour en stocker un petit peu ici. Je vais mettre cette plaque dessus pour protéger la vie qu'il y a à l'intérieur de ce compost. Et les trois autres poubelles ici, là et là, eh ben, je vais les amener à la maison pour le mélanger à du terreau que j'ai acheté en jardinerie et aussi un tout petit peu de terre du jardin tamisé pour faire mes semis. Vous avez remarqué ce seau-là, c'est toutes les larves d'oryctes. Elles sont pas petites hein, les larves, non, moi ça on peut. On avait déjà fait des vidéos là-dessus et je garde mes oryctes parce que je les remets dans les deux autres composteurs qui sont en maturation. Celui-ci qui va bientôt donner du compost d'ici 2-3 mois hein, que je pourrai tamiser. Et celui-là dont je suis actuellement en train de constituer la pile. Bon, alors je vais les mettre là-dedans pour pas les perdre. Par contre, j'en gardais aussi quelques-uns et cruellement, je vais aller les donner aux poules. J'en donnais une chacun, un peu comme un gros bonbon ou un nonos qu'on donnerait à un chien. Là, elles connaissent et d'habitude, c'est étonnant. Je ne sais pas si c'est la caméra qui a fait ça, mais d'habitude, les poulettes, elles viennent me voir dans le compost. Elles viennent. Elles sont carrément la tête dedans et elles viennent les picorer sans que je leur amène ensuite. C'est meilleur que les graines germées, non? Ah bah oui. Chacun a sa dégustation.